Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, coloriage bien sûr, enfin bien sûr ça aurait pu être autre chose, mais je continue donc mon coloriage Elegant Beauty avec la chevelure tressée, voilà, donc aujourd'hui je termine la chevelure justement, voilà. Et je suis contente parce qu'il y a des colocopines, comme on les appelle sur le groupe, qui sont en train de faire justement le même coloriage que moi. Donc, je suis contente de vous inspirer des coloriages. Voilà. Et je vais pouvoir les voir du coup sur le groupe. Et je suis contente. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent aussi faire le même coloriage que moi, bon, je vous rappelle que je vous mets toujours en barre d'infos les livres que j'utilise et vous pouvez venir sur le groupe de coloriage quand, si vous voulez venir me montrer vos colos, quand vous faites les mêmes que moi par exemple, vous pouvez venir vous inscrire sur mon groupe de coloriage et puis vous les partagez dans le groupe, voilà. Mais bon, pour celles qui n'ont pas Facebook, vous pouvez me les envoyer également par email. Je serais très heureuse de voir vos coloriages par email. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis essoufflée comme d'habitude. Aujourd'hui, je termine donc la chevelure et les petits fruits qui sont en bas de ses cheveux. Voilà, et j'ai fait une toute petite bêtise, mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas, enfin moi je le vois, mais bon, parce que j'ai les fruits, à la fin je leur ai donné un peu de brillance avec mon stylo à paillettes, et j'ai appuyé un peu trop dessus, ça fait que ça, plouf, ça a éclaboussé, donc j'ai eu une goutte de paillettes qui s'est mise sur le... sur le coloriage, sur le, mais là où il fallait pas. Et bon, j'ai essayé de frotter, mais ça a abîmé un peu le papier. Donc, bon, voilà. Mais ça se voit pas trop une fois que j'ai colorié. Donc, quand ça a été sec, j'ai passé un peu avec ma gomme électrique. Et ça adoucit un peu et donc ça se voit moins. Voilà. Mais bon, je fais des bêtises aussi, hein, que voulez-vous? Ça arrive. mais en tout cas, je sais maintenant que le stylo à paillettes, quand on en met là où il ne faut pas, ben dur dur pour l'enlever. Voilà, puisque bon, c'est un genre de... c'est comme une colle, hein, c'est de l'eau, mais bon, je pense qu'il y a un genre de colle dedans avec les paillettes. Donc, après, pour l'enlever, c'est... Tadam! Mais bon, ça n'a pas abîmé mon coloriage, c'est le principal. Donc, voilà, aujourd'hui, vous voyez la fin donc de la chevelure. Vous voyez comment je fais, j'ai continué à vous mettre les petits post-it... pour vous montrer les crayons que j'utilisais. Alors pour ça, les post-it, par contre, je vais faire un autre moyen parce que je suis en train d'user les post-it. Je vais me faire des petits cartons que je vais comme ça utiliser à chaque fois. Parce que les petits post-it, ben, je les jette à chaque fois parce que ça colle plus et ça chiffonne. Donc, je vais me faire des petits cartons pour... oh là, excusez-moi, je baille. C'est fin de semaine. Hein, pour chaque crayon. Et comme ça, ça ira beaucoup mieux. Je vais sortir ça. Il faut que je me fasse ça. Je vais essayer de me faire ça soit à l'ordinateur ou à la main. Mais à la main, ça va être long. Enfin, on verra bien. Mais ce sera beaucoup mieux. Mais il faut que je fais pour chaque boîte de crayons aussi. Donc, sinon, bah, c'est tout. Voilà. On a fait, comme je vous avais dit, sur mon groupe, j'avais demandé si ça intéressait de faire un petit coloriage rapide
Donc, pour la fête des pères. Oh, excusez-moi. Oh, je sais pas pourquoi, là, j'ai un gros coup de barre. Un petit coloriage rapide que je vais leur donner à faire de temps en temps, comme ça, sur un thème, sur une fête, sur... Et donc là, j'avais choisi ben, la fête des pères, puisque demain c'est la fête des papas, ou aujourd'hui c'est la fête des papas, puisque là vous voyez la vidéo, on est dimanche. Et donc moi j'avais fait, donc je leur avais donné un petit dessin très rapide à colorier. Je vous mets à la fin de la vidéo ma version, très simple, hein. Donc on a tous eu le même dessin. Et puis on l'a colorié à notre façon. Moi j'ai fait au feutre à alcool d'action. Donc comme ça a été très vite, très simple. Et je l'ai offert à mon chouchou pour sa fête des papas. Voilà. Donc je vous le mets juste à la fin de la vidéo pour que vous le voyez. Voilà. Bon, c'est juste un petit clin d'œil comme ça. Allez, je vous laisse visionner la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.
Ha 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 ha.